Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il fait un froid de canard, les mecs, il fait très très froid. Ouais, bon, il faut vous couvrir, mettre des bonnes grosses bottes avec de la fourrure et des écharpes, tout ce que vous voulez. Là, allez, je suis allé emmener la petite à la maternelle ce matin. Oh, 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 oh. Putain, qu'est-ce qu'il faisait froid là. Vous n'avez pas intérêt à oublier votre bonnet, les amis. Alors aujourd'hui la vidéo de l'analyse de course de dimanche dernier, puisque dimanche dernier a démarré le nouveau championnat CFR avec les F3. Donc on va faire une petite présentation du championnat rapidement. Alors championnat qui va se faire en 5 manches. Donc c'est sur le Jurest Room, vous savez, voilà, configuration du serveur, nombre maximum de joueurs, 32, usage de l'essence normal, usure des pneus normal, dommage full, règle des drapeaux complet, raccourci drive-through, c'est-à-dire que si vous faites un raccourci trop de fois, le jeu il vous fait une pénalité et vous êtes obligé de passer par les stands. Et ça, ça fait mal, il y en a qui en ont fait les frais pendant la course. Arrêt obligatoire pour la deuxième course, la deuxième course de la manche 1. Setup fixe, alors ça j'adore les setups fixes, parce que là, il n'y a pas de tricherie là les mecs. Il n'y a pas de tricherie, tricherie, quand on fait un setup, c'est pas de la tricherie. C'est qu'on est un bon régleur de voiture et on arrive à trouver, alors il faut y passer des heures et moi j'ai pas le temps de passer 5 heures à régler ma voiture. Donc là, au moins c'est setup fixe, tout le monde a la même voiture et là, la différence elle se fait uniquement au pilotage. Alors évidemment que les meilleurs, ceux qui sont déjà très bons avec des setups qu'ils vont peaufiner, bah ils sont aussi très bons sans setup, voilà, c'est sûr. Mais quand même, là au moins il y a moins de galères à gérer le truc et on se dit pas bon bah le gars il va plus vite parce qu'il a un meilleur setup. Bah non mon gars, le gars il va plus vite que toi parce qu'il est meilleur que toi. Il freine plus tôt, il freine plus tard, il sort plus tôt, il sort plus tard, on ne sait pas. Mais en tout cas, il va plus vite que toi et puis voilà. Donc comme d'habitude, ceux qui sont devant là, c'est des fusées. Voilà, il y a Yann Pfeiffer, Christian Garcin. Il y en a un nouveau là qui vient d'arriver que je connaissais pas. Pareil, ça roule très vite. Il y a des nouveaux qui viennent d'arriver qui sont très très rapides. Donc c'est super. Et donc setup fixe, et ça j'aime beaucoup les setups fixes. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Multiplicateur de temps 0, difficulté get real. Et timing de l'événement, toujours la même chose, 20h45, le briefing de Michael Loeb. Et ensuite, à 21h, les qualifs pendant 15 minutes, 21h15, le warm-up pendant 5 minutes, 21h20, la course. La première course, une fois 20 minutes, quoi. La première course, elle fait 20 minutes, la deuxième, elle fait 40 minutes avec un arrêt au stand obligatoire. Donc, le championnat, il se fait en 5 manches, donc dimanche dernier le 7 février, c'était la première manche, le Paul Ricard, circuit que je déteste, je hais ce circuit, voilà, mais je le connaissais pas, c'est-à-dire que pour moi c'était une vraie découverte, comme je n'aime pas ce circuit, évidemment j'y roule jamais, que ce soit sur Assetto Corsa, sur tous les jeux que j'ai eu de course, j'ai jamais vraiment utilisé ce circuit parce que je ne l'aime pas. Je comprends rien à ce circuit. Il y a des lignes partout, du bleu, du jaune, du vert, du rouge. Je comprends rien à ce circuit. Mais là, comme j'étais obligé de faire la première course du championnat Paul Ricard, et du coup, il a bien fallu que je m'entraîne. Et finalement, je le trouve pas mal. Vous voyez comme quoi, les gars, il ne faut pas rester sur... Il ne faut pas rester sur des choses où vous êtes sur un premier sentiment, sur un préjugé. C'est ça le truc qu'il faut vraiment... Essayer de dépasser ça. Moi, honnêtement, Paul Ricard, c'est un truc où j'y allais jamais. Parce que je me disais, c'est un sale circuit, c'est de la merde, j'aime pas, je comprends rien, je me repère mal, j'arrive pas à trouver mes repères, je sors trop large, trop. C'est insupportable, j'y ai jamais été dessus. Et là, franchement, j'ai commencé à m'entraîner, on a commencé à me donner des conseils sur la voiture, le freinage, etc. Et puis finalement, je trouve pas mal. Je le trouve pas mal. C'est pas un circuit où maintenant, je dirais, ouais, c'est de la merde. Non. Je trouve intéressant. Alors après, pour doubler, c'est un peu quand même un peu chaud et on va le voir là. Honnêtement, il y a eu des moments où c'était un peu les mecs. Il va falloir quand même être un peu sérieux, les gars. Hein. C'est quoi les prochaines manches? Les prochaines manches, on a
Mid-Ohio, le 21 février. Je ne connais pas ce circuit. Mid-Ohio, je ne le connais pas. Donc, encore un circuit que je ne connais pas. Motorland Aragon, en Espagne, le 7 mars, je ne connais pas non plus. Bathurst. Alors là, je vois que sur l'affiche, il y a marqué Bathurst. Non, c'est pas Bathurst, les mecs, c'est Bathurst. Donc, il y a le U avant le R. Bathurst. Donc, celui-là, je le connais et. Alors, si là. Il y a eu des accrochages, des petits machins, des petites merdes, hein, avec le Paul Ricard, mes amis. Mais dans Bathurst, dans la descente, là, où il y a tous les murs. Oh putain, les mecs, là, il va falloir être sérieux, vraiment, hein. Et ce circuit, je le connais. Je l'ai beaucoup fait sur Gran Turismo et j'ai du mal à faire des bons temps. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir me conseiller là, les amis. Christian Garcin, j'espère que tu vas me dire ce qu'il faut faire. Dominique aussi, tout ça, parce que là, sinon, je vais être carrément derrière dans les derniers. Macao, le dernier, la dernière manche, Asie, 4 avril. Et je ne connais pas non plus ce circuit. Donc vous voyez que quand je me suis inscrit au championnat, moi, je savais que les circuits qu'il y avait, je les connaissais pas, hein. C'est pas pour ça que je me suis dit, oh là là, mon Dieu, je connais pas les circuits, oh, j'y vais pas. Ben non, justement, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de pouvoir participer à des championnats pour apprendre des trucs nouveaux, des nouveaux circuits, faire des choses nouvelles. La voiture qui a utilisé la F3 sur Raceroom, je ne la connaissais pas non plus. Je ne la connaissais pas. D'ailleurs, quand je suis arrivé sur le jeu, j'avais mis mon volant de McLaren, de Fanatec, parce que je pensais que la voiture, elle avait un volant comme ça, un peu allongé. Et du coup, je commence à mettre mon volant. Après, je me connecte sur le jeu et je vois le volant de la F3. Il est rond, en fait. Le volant de la F3, il est rond. C'est rare que les volants de monoplace soient ronds, à part les anciennes monoplaces des années 80-90. Et là, je mets mon volant en McLaren et je fais, ah ben merde, c'est un volant rond. Donc, j'ai remis mon volant en Porsche. C'est dire si la voiture, je la connaissais pas, quoi. Et donc, c'est une voiture un petit peu piégeuse, surtout sur le circuit de Paul Ricard, où on fait vite des têtes à queue. C'est assez chaud et on va le voir là sur l'analyse de course que c'est assez chaud et qu'on a vite fait de faire un beau petit tourniquet, les amis. Et nous voici donc sur le circuit du Paul Ricard. C'est parti pour le départ. J'ai fait 12e au niveau des qualifs avec un 2,03 700 et des bananes. Alors qu'à l'entraînement, je faisais du 2,04 700, du 2,05. Donc j'étais content et bien dégoûté finalement. D'avoir été que 12e, quoi. Franchement, je m'étais dit, ouais, c'est super. Franchement, j'ai battu d'une seconde mon temps. Donc, tout s'est bien passé au départ. Voilà, pour moi, en tout cas, puisque je commente ma place. Mais vous voyez que déjà, ça se fritouille, ça se fritouille, ça se fritouille. Oui. Donc nous avons Thibaut Martinet devant moi et Florent Thivillier. Vous allez voir qu'on va être tous les trois un petit peu. Mais alors là j'ai fait une petite. J'ai touché. Vous voyez que je touche légèrement Florent Thivillier là. Voilà, j'arrive là-bas devant, ça se touche aussi. Et moi j'arrive là et pof. Voilà. Je fais une petite touchette de la suspension. Et ben ça a suffi à abîmer ma suspension. Donc pendant tout le reste de la course, j'avais des petites vibrations dans le volant, mais rien de bien méchant. C'était vraiment léger. Donc, mais voyez que là, voilà, avec ces voitures-là, dès que vous touchez, c'est la grosse galère parce que tout de suite, la suspension, elle morfle. Donc là, évidemment, je suis parti un peu. Là, je me suis dit, oh là là, quelle galère, ça y est, ça commence bien ma course. Donc là, on a Thierry Martin, je sais pas ce qu'il nous fait, mais il zigzague. Il zigzague, il est là, oui. Et moi, je pars un petit peu large, c'est chaud bouillant les marrons. Et on a Julien, je crois, quelle belle, Julien, quelle belle, qui est là. Et là-bas devant, on voit qu'entre Florent Thivillier et Gérald Michotte, c'est super chaud, les gars. Et là, Gérald Michotte qui part dans le mur, il part. Donc moi, j'arrive, là, je passe derrière. Voilà. Donc bon, chaud, vraiment, chaud, hein, ce circuit chaud, il faut le premier tour, il faut être vraiment calme, les amis, parce que la course, hein, il y en a pour 20 minutes, donc pas la peine de se stresser, quoi. Voilà. Donc moi, du coup, bah j'essaye de recoller un peu tout ce beau monde là devant moi. Et là, on a Julien qui vient m'attaquer sur l'extérieur, mais je le vois déjà sur mon radar. Je sais qu'il est là, donc du coup, je fais un peu gaffe. C'est vrai que je fais gaffe et je reste bien collé. Vous voyez, je sais qu'il est là. Je me dis, putain, si j'écarte, ça va cogner, quoi. Mais si j'ai pas mon radar, honnêtement,
Je suis pas persuadé que sur ce passage-là, j'écarte pas, hein. Franchement. Hein. Vous voyez, là, je sais qu'il est là, je l'ai vu. Donc maintenant, je le vois visuellement avec dans mon écran d'ordinateur. Donc c'est bon. Mais avant, je le voyais pas du tout. Hein. Là, il s'écarte un peu, il fait une petite erreur. Donc moi, j'en profite pour rester à la... Voilà. Mais là-bas, vous savez très bien que là-bas, il faut pas mettre le nez. Voilà. Là-bas, ça sert à rien d'aller mettre le nez. Vous êtes sûr de cartonner. Je vais recoller à ce petit monde. Là, derrière moi, qui est-ce qui est derrière moi, là? Nicolas Wurch. Voilà. Nicolas Wurch qui est collé. Là, qui fait une petite erreur, qui va trop large. Thierry Martin aussi, qui est parti trop large avec nos amis devant. Et donc, là, on y retourne. Moi, honnêtement, c'était une course plutôt pas trop mal. J'ai pas fait de tête à queue, j'ai pas fait de toupie, je me suis pas accroché trop. Vraiment, j'ai pas. Voilà. Et là, il y a Florent Thivillier qui fait une erreur. Il part un petit peu à l'extérieur et il revient sur la piste. Mais bon, c'est assez propre, ça va, il n'a pas gêné grand monde. C'est vraiment très tendu hein, sur ce circuit parce que les endroits où passer, c'est pas évident, hein, franchement, hein, c'est pas évident du tout. Hein. Et là, regardez ce dépassement, les mecs, regardez ce dépassement de malade, quoi. Quel freinage de folie, quoi, sur Florent. Sur Florent Thivillier, je sais pas comment j'ai fait ça, mais c'est super parce qu'il a joué le jeu aussi. Il est bien resté collé sur sa trajectoire. Il a freiné un petit peu plus tard. Moi, j'ai mieux géré mon freinage sur ce coup-là. Et ça, c'est un dépassement. C'est fabuleux, quoi. Vous voyez, c'est fabuleux, quoi. Il y a plein de personnes qui ont essayé de passer ici. Je peux vous dire que ça a cogné sévère. Hein. Et là, Thierry Martin, bah, lui, il fait une petite erreur. Voilà. Et du coup, il part en tête à queue. Donc, moi, bah, du coup, je suis bien content parce que. Je viens de gagner 2 places en 2 secondes, quoi. Donc nous avons Guillaume et Florent. Voilà, Florent, il est là. Hein. C'est pas parce que je l'ai doublé qu'il... Voilà, il n'a pas disparu. Il est toujours là. Là, il me voit. Est-ce qu'il me voit sur son radar? J'en sais rien. Mais moi, j'ai peur qu'il me touche. Donc du coup, je reste bien à l'intérieur. Et du coup, Guillaume en profite. Là, pareil, je sais que Guillaume est là. Donc je fais gaffe. Je reste bien, bien, bien. Sur ma trajectoire pour pas le cogner quoi. Ça, c'est que grâce au radar, hein. Honnêtement, si j'ai pas de radar là, à mon avis, ça touche. Parce que je sais pas qu'il est là. Donc moi, je prends la trajectoire idéale et puis après, on va se toucher. Hein. Là, il part trop large, donc j'en profite, je fais l'intérieur. Voilà. Mais là, bah évidemment, il va rester bien collé. Et comme ça, je peux pas le passer. Et ouais, sauf que il accélère trop fort. Et il part en tête à queue. C'est super ça, les gars. Allez-y, faites des têtes à queue devant moi, faites-en plein, même sur les autres courses. Moi, ça me va bien. Donc, Manuel Caorsi derrière moi, et puis devant moi, Florent Thivillier. Voilà, donc j'essaye de suivre le rythme. Florent, il a à peu près le même rythme que moi. Manuel, il est un petit peu plus rapide. Donc voilà, il me fait super dépassement. Voilà, il me fait l'intérieur, sauf que en accélérant, il perd un peu de contrôle, mais ça va, il arrive à garder sa voiture. Alors là, j'étais un petit peu embêté puisque Manuel, il disparaissait. Donc vous voyez ce que je vois, moi, dans ma voiture, voilà, je le vois bloqué, réapparaître. Franchement, ça, c'était un petit peu galère, je savais plus trop quoi faire en fait. Je me disais, ben, il disparaît, il réapparaît, il disparaît, et là, tout d'un coup, il a disparu. Définitivement. Bon, bah du coup, j'ai gagné encore une place finalement. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit moment de flottement où devant, j'avais du mal à gérer du coup la distance parce qu'il disparaissait, il réapparaissait, il disparaissait. C'était un problème de connexion apparemment et après il a fini par complètement perdre la connexion. Dommage pour lui, mais du coup, je me retrouve 13e sur 26, milieu de grille, milieu de grille. Et je vais essayer de recoller à Florent, qui est devant, du coup. Voilà, je tente une attaque. Parce que à chaque fois, à cet endroit-là du circuit, je revenais vraiment fort sur Florent. Et après, sur l'autre moitié du circuit, c'est lui qui allait plus vite que moi. Donc en fait, il y avait une partie où je revenais et l'autre partie où c'est lui qui s'éloignait. Donc j'avais vraiment beaucoup de mal à pouvoir me mettre en position d'attaque. Vous voyez que là on est au 7e tour. On est toujours. Je suis toujours 13e. Lui il est 12e et moi 13e.
Et voilà, là, on va arriver sur la partie du circuit où c'est lui qui est plus fort. Et donc, c'est là qu'il va, il va me lâcher un peu. Voilà, donc pour l'attaquer, c'était chaud. Vous voyez là, hop, sur cette partie-là, vraiment, il est plus rapide, il va plus vite. Donc, il s'éloigne. Et je ne suis pas du tout en position de pouvoir l'attaquer comme j'ai fait tout à l'heure, où j'ai pu rentrer à l'intérieur, là, sur le freinage. Là, je suis trop loin, c'est cuit, quoi. Je suis obligé, en fait, je me dis... Il faut que je me rapproche de lui le plus possible de façon à le pousser à la faute parce qu'il faut qu'il ait la pression. Et en ayant la pression, à un moment donné, ses pneus ils vont perdre en efficacité. Il va accélérer trop fort et partira en tête à queue. Je me dis c'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir lui prendre la place. Parce qu'à chaque fois, je reviens sur lui et ensuite, il repart. Quoi. Donc, et en plus, je sais que sur circuit, pour dépasser, il faut vraiment être impeccable parce que vous touchez votre suspension et c'est mort. Hein. Voilà, vous voyez que là, il a la pression, quoi. J'essaye de lui mettre le plus possible la pression. J'essaye de me décaler, de me montrer dans les rétros. J'essaye de tout faire pour qu'en fait, nerveusement... Voilà, et bim, et bim. Oh là là, Florent, tu as craqué, mon ami. Et oui, vous avez vu. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est exactement ce que je voulais, en fait. Je savais qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour l'avoir. J'avais que ce moyen-là, c'est-à-dire lui mettre un maximum de pression. Et du coup, sous la pression, plus les pneus qui sont moins bons, 8e tour, machin, il accélère trop fort et il part dans le mur. Et du coup, je prends sa position. Et je suis content parce qu'il est plus rapide que moi un petit peu sur cette moitié du circuit. Et moi, je suis plus rapide que lui sur l'autre moitié. Donc du coup, on est à peu près sur les mêmes temps, j'imagine. Ce qui ne sera pas le cas sur la deuxième course, où là, franchement, il était vraiment plus rapide que moi. Voilà, il était derrière moi, il m'a doublé, il s'est envolé. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi sur cette manche-là, sur cette première course de 20 minutes, et j'arrivais à le coller et pas sur la deuxième. Je sais pas. Et donc là, bah, je vois les deux devant et je vais essayer d'aller les chercher. Donc c'est qui? C'est Stéphane et Jean-Marie Pagny. Donc Stéphane et Jean-Marie Pagny, donc voilà, ils se tirent la bourre. Moi, je suis juste derrière eux. Et là, boum, ça cogne. Et là, ça cogne. Et donc, ce n'est pas normal, mes amis, mes cocos. On va aller voir ça. Voilà, on se met dans la voiture de Jean-Marie. On regarde, il part un petit peu à l'extérieur. Je pense que Jean-Marie ne doit pas avoir le radar, parce que c'est très compliqué sans radar de pouvoir contrôler... où se positionnent les adversaires. Vous voyez que là, il est en train de revenir chercher la trajectoire là-bas, alors qu'on a notre ami là qui arrive là. Et du coup, c'est compliqué quoi, parce qu'il arrive, il arrive, ça va se resserrer. Et là, il part à l'extérieur et donc ça va taper. Et donc, dès qu'on tape comme ça un petit peu en fait, bah les suspensions elles s'abîment vraiment fort quoi. Et après, on peut continuer à rouler. Avec des suspensions éclatées, hein. On peut continuer, sauf que honnêtement, c'est beaucoup moins confortable pour prendre les trajectoires correctement, sauf si on s'appelle Yann ou Christian Garcin. Franchement, moi, avec une suspension éclatée, déjà que j'ai du mal avec des suspensions nickel, franchement, c'est la galère, hein. Donc bon. Donc là, j'imagine que notre ami, je crois que c'est Stéphane, oui, c'est Stéphane Santenac, je crois qu'il a un problème dans sa voiture, parce que là, à ce niveau-là, voilà, là, il reprend encore un petit coup qu'il a poussé un petit peu, mais c'est vraiment très, très léger, quoi. C'est très léger, vous voyez, là, regardez, pof. Alors ça, est-ce qu'il a crevé? Est-ce qu'il a crevé sur ce coup-là ou pas? Parce que je ne suis pas sûr que ce soit ça qu'il fasse partir trop large, mais est-ce qu'il a crevé son pneu avec ce petit choc? Je pense qu'il a déjà été bien esquinté, et vous voyez, là, il part vraiment à l'extérieur. Et moi, j'arrive... Et je le vois là et je comprends pas pourquoi il est là. Je comprends pas. Je me dis, bah, c'est bizarre, il repart pas. Parce que j'hésite un peu. Je me dis, le gars, il va revenir sur la piste, il va me percuter. J'hésite un peu. Et en fait, je me suis aperçu en regardant les images qu'il avait pris la décision de repartir au stand. Vous voyez, là, je passe. Voilà. Et lui, il part au stand. Donc, pourquoi est-ce qu'il part au stand? Est-ce qu'il a ses pneus qui sont crevés, sa suspension qui est morte?
ou bien est-ce que c'est un drive-thru, c'est-à-dire est-ce qu'il a eu une pénalité et il est obligé de repasser par les stands pour la pénalité? Non, a priori non. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc je pense que Jean-Marie Pagny aussi, sa voiture, elle est peut-être abîmée aussi au niveau des suspensions et du coup, il galère plus parce que normalement, je ne dois pas le rattraper comme ça, je ne dois pas aller aussi vite que lui, d'accord? Mais honnêtement, je ne fais pas le malin parce que Jean-Marie Pagny, je connais le loustique, hein. Donc, je sais qu'il va falloir faire super gaffe et j'ose pas vraiment y aller parce que je me dis, il est quand même plus rapide que moi. Est-ce que sa voiture, elle est abîmée? J'ai vu ce qui s'était passé avec Stéphane et je sais qu'il y a un peu de nervosité dans l'air. Et là, j'hésite vraiment parce que je suis 11e et j'ai pas envie de tout perdre, tout ça, parce que je veux dépasser Jean-Marie Pagny, quoi. Donc voilà, donc je suis là, je vais rester derrière lui, on est au 9e tour. Je vais rester collé derrière lui. Et puis derrière moi, il n'y a pas vraiment de menace, quoi. Vous voyez, le 12e, il est un peu loin, donc j'ai pas vraiment de menace. Et là, comme d'habitude, je me fais coller un boulevard sur cet enchaînement. Tout le monde m'a collé un boulevard sur cet enchaînement. Je le prends pas bien, j'ai pas assez travaillé ce passage-là. Après, je reviens sur les autres parties du circuit, donc je les ai bien en tête et je les appréhende mieux. Mais cette partie-là, honnêtement, à chaque fois, on me colle un boulevard. Regardez, là, je reviens sur lui assez tranquillement, quoi. Mais sur le reste, on me colle un boulevard. Et ça, ça m'a agacé, en fait. Donc là, je vais essayer de recoller. Mais honnêtement, j'y vais sans me dire, je vais le coller. Je vais me rapprocher, je vais prendre des risques et je vais l'attaquer. Honnêtement, je ne me dis pas ça à aucun moment. Je me dis, je vais le coller, je voudrais que ça fasse comme ce qui s'est passé avec Florent Thivillier, que je voudrais qu'il soit poussé à la faute. Voilà, je me dis ça dans ma tête, je me dis, il faut qu'il soit sous la pression, qu'il s'énerve sous son casque et puis qu'il fasse un tête-à-queue, quoi. C'est ça que j'espère, en fait. Et voilà, donc moi, mon rôle, c'est de maintenir une pression sans essayer d'attaquer. Parce que je sais que si j'essaye de l'attaquer, je vais me planter, quoi. Je vais me planter parce qu'on va se toucher, on va se toucher et ça va pas le faire. Et celui qui est derrière, il va me prendre la place. Vous voyez que là, il dérape beaucoup. Et on va se le refaire là. Vous voyez que là, ça dérape de folie, quoi. Moi, je l'ai touché, je crois, un petit peu là parce que ça dérape. Moi, j'ai failli perdre la voiture, là. Je sais pas si on le voit. D'où l'importance, les amis, d'avoir un force feedback super bien réglé. Les réglages que je vous ai mis sur la vidéo précédente, c'est les réglages avec lesquels j'ai joué, là, sur cette course. Et honnêtement, je sentais vraiment la voiture au niveau de la perte d'adhérence. Et ça, c'est un vrai atout. Parce qu'il y a plein de moments où je sentais que j'étais à la limite du tête-à-queue, comme il y en a eu plein là, et je réussissais à rattraper la voiture, ce qui n'a pas été le cas de certains. Vous n'êtes pas plus bête que moi, hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas rattrapé la voiture, c'est que vous avez eu l'information de la perte du train arrière trop tard et que vous avez contrebraqué trop tard. Ou bien alors, vraiment, la perte du train, elle était trop violente et vous ne pouviez rien faire. Mais en général, Quand on sent suffisamment tôt le train arrière qui parle, avec un violent coup de l'autre côté, on arrive à récupérer la voiture. Et là, ça a été le cas. C'est-à-dire que là, elle a voulu partir et je l'ai rattrapé. Bon, après, lui, je viens le toucher un petit peu. Je lâche l'accélérateur, évidemment. En sentant le choc avec lui, je lâche tout. Et du coup, il me reprend un petit peu de distance. Mais bon, comme c'est un endroit où je suis mauvais, de toute façon, voilà. Là, je vois les tours qui défile et je me dis, bon, bah, je vais finir 11e, mais je suis content. Je suis parti en qualif 12 sur 26 pilotes, 11e. Je suis milieu de grille, comme d'habitude, même un petit peu plus haut que le milieu de la grille. Mais bon, je suis dans ma place habituelle. Voilà, je vais juste essayer de le coller un peu pour la forme, mais on arrive au dernier tour, donc pour moi, les jeux sont faits. Donc, ce qui est sympa aussi avec les F3, c'est qu'il y a plein de livrées différentes. Donc, ça, c'est génial parce que du coup, chacun va avoir sa livrée. Moi, c'est simple, j'ai pris la livrée que personne n'avait. J'ai regardé dans la liste des pilotes les livrées que les pilotes avaient et j'ai pris celle que personne n'avait. J'ai pas choisi vraiment la couleur, elle n'est pas terrible. Mais du coup, je me suis dit comme ça, au moins, je vais me reconnaître sur la piste. Sinon, pour faire les commentaires, c'est chiant. Voilà, donc là, la course est finie. Donc,
Je comprends pas pourquoi j'ai été classé 10e. Je pense qu'il a pris une pénalité qu'il n'a pas faite, Jean-Marie. Peut-être que c'est ça. Parce que j'ai été classé 10e sur cette course. Alors que vous voyez bien que j'arrive derrière Jean-Marie Pagny, 11e. Donc moi, une course plutôt tranquille, plutôt pas mal. J'ai pas fait de tête à queue. J'ai fait un dépassement super, celui que j'ai vu, que je vous ai montré. Mais bon, pour rien. Parce que Florent Thivillier, bim, il m'a redoublé derrière. Donc finalement, j'ai fait ça pour rien. Bon, après, j'ai pu lui mettre la pression pour provoquer l'erreur. Et voilà. Bon, c'est pas mal. Après, je sais qu'il y a eu d'autres gars qui ont vécu les choses beaucoup moins bien. Et donc, on va prendre, par exemple, notre ami Gérald Michotte. Et vous allez voir que c'était beaucoup plus compliqué pour lui. Donc déjà, au départ, vous allez voir que la voiture devant, elle part pas suffisamment vite. Et du coup, il est un petit peu obligé de l'éviter. Je crois que c'est Thierry Martin qui décolle pas. Et hop, il évite. Alors là, honnêtement, les mecs, si jamais moi, je fais la même chose que Gérald Michotte, on fait une petite bibise. Vous voyez, si je fais la même chose que lui, là, eh ben, ça fait bisous. Hein. Ça fait bisous et la course, elle est finie dès le départ. Alors moi, je me suis dit, Gérald, il va me défoncer la tronche. Parce que j'ai vu sur le côté de la voiture, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais je savais pas que c'était Gérald, j'ai vu juste un bout de voiture blanche, quoi. Mais voyez que c'est chaud, quoi. Il est parti, et là, je me dis, oh, putain, ça va cogner. Je me suis dit, oh, ça va cogner. Regardez, je me suis dit, ça va cogner. Voilà, et là, il évite de justesse. Du coup, il a évité Thierry Martin, puis il m'a évité moi. Bon... Bien joué Gérald, mais méfiance, méfiance Gérald, parce que là, c'était chaud bouillant. Donc évidemment, au premier tour, on reste calme. Restez calme les amis, c'est le premier tour. Donc là, on voit Thibaut, je crois que c'est Thibaut, ouais, c'est Thibaut Martinet. Moi, du coup, comme je suis sur les vibreurs, bah, je ne peux pas accélérer comme un bourrin, parce que sinon, je fais un tête à queue. Donc du coup, j'ai lâché un peu, donc Gérald, il me colle. Forcément, voilà, ça colle, bah oui, forcément, parce que j'ai moins de vitesse. Après, je reprends la vitesse, donc c'est bon. Et là, attention, c'est bon. Voilà, il est bien. Au début, il est bien collé à moi. On est bien. Voilà, là, ça, le petit choc. Du coup, il en profite pour passer à l'intérieur nos problémos. Et c'est là que il va se retrouver de front avec trois pilotes. Donc, Florent Thivillier, Thibaut Martinet et Gérald Michotte. Regardez. Regardez, les gars, quoi. Regardez, c'est la folie, ça. Ça, c'est un cas où le radar ou le chief crew qui vous parle et qui vous dit hey, il y a des voitures à côté de toi vous permet de vous dire bon, ça va être quand même tendu un petit peu là-bas. Vous positionnez-vous, dites-vous attention, là je vais lâcher, je vais pas aller me batailler, on est sur le premier tour, n'allez pas batailler là. Laissez. Donc il y a Florent Thivillier, déjà il est là, il voit rien, c'est celui qui est derrière qui voit tout. Celui qui est sur le côté là, il voit plus rien. D'accord, Thibaut lui sait même pas. Et là, on voit que Florent, il va se décaler un tout petit peu. Mais Gérald, il y va, il veut y aller, il veut absolument y aller. Et là, du coup, les deux voitures vont s'imbriquer, ça cogne, ça touche, voilà. Et ça tape aussi, forcément, bah, notre ami Thibaut. Voilà, vous voyez que là, Thibaut, il va tourner, Gérald veut tourner, Florent veut tourner, tout le monde veut tourner, mais tout le monde est au même niveau. Les trois voitures sont au même niveau, donc il faudrait tourner comme ça. Faudrait que tout le monde tourne comme ça, quoi. Mais en fait, il y en a une qui est là qui va serrer, l'autre qui est là qui va serrer, l'autre qui est là qui va taper celle qui serre dans le dos. Et du coup, elle va partir en tête à queue. C'est normal, Thibaut, vous voyez, hop. Là, il est chopé sur sa roue arrière, il part en tête à queue. Voilà, au revoir, quoi. Gérald, il se remet forcément dans la piste. Et puis du coup, là devant, c'est pareil. Jean-Marie Pagny, il y a eu une petite bataille entre Stéphane et Jean-Marie Pagny. Et même sentence, quoi. Même sentence. Donc, on va aller sur la voiture de Julien. De Stéphane, pardon. Voilà, on a Stéphane qui est là. Boum. On a Jean-Marie Pagny qui rate son freinage. Il part trop large. Il part trop loin. Jean-Marie part trop loin. Lui, Stéphane, il est pépère. Il est sur sa trajectoire. Du coup, il prend un peu de marge. D'accord? Et là, boum. Pourquoi? Parce que Jean-Marie perd le contrôle de sa voiture en accélérant trop fort. Ah oui, en accélérant trop fort à ce niveau-là, il perd le contrôle de sa voiture et donc il va percuter notre ami Stéphane. Donc là, voilà, il y a pouf, Stéphane, il arrive et bim, ça cogne. C'est dommage. Parce que du coup, il a peut-être endommagé son véhicule, je ne sais pas du tout. Et là, il revient et ça recogne.
Donc là, honnêtement, je ne sais pas quoi dire, quoi. Je sais pas quoi dire parce que ça voilà, ça recogne, ça revient, ça retape, ça part à droite, ça part à gauche. Voilà, il y a celui que j'ai analysé tout à l'heure avec Gérard. Donc honnêtement, si c'est sur du vrai, de la vraie course en IRL, comme on dit, in real life, toutes les voitures, elles sont au stand terminées, quoi. Voilà, vous rentrez au stand et tout le monde se fait fusiller là. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Quoi, voilà, c'est tout. Donc, on revient au centre, on repart. Honnêtement, c'est un truc de malade, quoi. Donc là, on va se mettre dans la voiture de Thibaut. Et donc, Thibaut qui va s'attaquer à Gérald Michotte. Voilà, à l'intérieur, super, pas de problème. Sauf que là, il va sortir un petit peu large. Et quand on sort un petit peu large ici, ce qu'il faut savoir, c'est que si on accélère trop fort ici, eh ben, on part en tête à queue, tout simplement. Donc, en fait, c'est exactement ce qui va se passer. Thibaut, il va accélérer trop fort. Du coup, il part en tête à queue. Et du coup, qui est-ce qui vient le remettre sur la piste et sur le droit chemin? Ben, c'est Gérald Michotte. Mais au prix de quoi? Au prix d'une suspension niquée, évidemment. Voilà, boum, ça cogne. Vous voyez que ça cogne. Voilà, donc du coup, je pense que Gérald, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il est venu sur moi? Bon, forcément, c'est jamais très agréable. Et du coup, il reste bien sur le côté. Mais on voit que sa voiture, elle roule plus très droit. Donc du coup, Michael Loeb en profite pour venir s'infiltrer ici. Et... C'est passé de justesse, mes loulous. Ça a failli accrocher le pneu arrière gauche. Mais je crois que Gérald, il a un problème avec sa voiture parce que du coup, il a pris tellement de coups sur les suspensions que, à mon avis, il est presque à la limite de rouler en crabe. Voilà, donc là, il va arriver, il va essayer d'attaquer Michael Loeb à l'extérieur, ça passe pas, et là il accélère trop fort dans le vibreur et tête à queue, comme d'habitude, quoi, comme toujours. Bon, en tout cas, ça a été un vrai calvaire pour Gérald, alors qu'il est exactement sur les mêmes temps que moi. On roule pareil au niveau des temps. Des fois il est plus rapide, des fois je suis un tout petit peu plus rapide, mais honnêtement, on est pareil. Donc moi je finis dixième, lui je crois qu'il finit pas, il est disqualifié ou je sais plus trop. Mais en tout cas, on voit bien que malgré le fait qu'on a les mêmes temps, finalement, la course, c'est la course. Les aléas, les accrochages, la manière dont vous faites votre départ, quel pilote il y a autour de vous au moment où vous êtes dans le peloton, est-ce que les gens vont vraiment vous attaquer fort ou est-ce qu'ils vont être plutôt cool? Enfin, tout ça va avoir vraiment un gros impact sur le résultat de votre course finalement. Donc là, on va aller également voir une autre personne qui est notre ami Pierre Moulinet, qui est très rapide, qui est beaucoup plus rapide que moi, qui est plus régulier, qui est un très bon pilote. Et là, on va voir qu'il s'est tiré la bourre avec un autre pilote et ça a été extrêmement tendu, à la limite du raisonnable. Voilà, j'ai envie de dire, à la limite, voilà, c'est lui. C'est lui. Vous voyez que ça commence dès le départ. C'est-à-dire que la confrontation entre ces deux pilotes, elle commence dès le départ, dès le premier tour. Donc, on a Victor, voilà, on va voir, c'est lui, Victor. Donc, il est derrière Pierre. Pierre, il est juste devant lui avec la voiture blanche, bleue et rouge. Et donc, on va voir que ça commence dès le premier virage, en fait. Dès le premier virage, voilà, là, ça frôle, mais ça va. Il arrive à la hauteur. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis, mais on voit que ça va être un peu tendu. Là, c'est Pierre qui vient. C'est Pierre qui vient le toucher. Là, c'est pas Victor. Victor, il est resté sur ça. C'était un petit peu chaud. C'était un petit peu juste. Voilà, c'était un peu ferme, mais pas malveillant. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il n'y a pas de soucis. On voit bien que finalement, il part un petit peu à l'extérieur et ça vient se bidouiller. Mais là, ça va. Honnêtement, il n'y a pas. Mais bon, Pierre, il va absolument reprendre sa place. Il passe un peu au tire-bouchon avec Jean-Marie Pagny. Rien de trop méchant pour l'instant. Victor, il est vraiment collé à Pierre. Et donc, là, je vous rappelle qu'on est au premier tour. Donc là, il lui fait l'extérieur.
Pierre, bah, il vient lui lécher encore le petit cucu du train arrière, voilà. On est au premier tour, les mecs. Les mecs, on est au premier tour. Honnêtement, on est au premier tour. Franchement, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, vous êtes au premier tour, les gars. Je vois pas trop le truc, quoi. Je comprends pas, en fait. C'est des trucs que j'arrive pas à comprendre. Vous êtes au premier tour, vous êtes en train de jouer votre vie. Enfin, honnêtement, c'est le premier tour. Il va y en avoir des trucs derrière, ça va cogner, il va y avoir du tête à queue, il va y avoir tout ce que vous voulez. Vous êtes au premier tour, vous êtes déjà en train de batailler comme des fous furieux. Donc là, on va continuer. Voilà, il y a Dominique Vellutini. Du coup, Victor, il est quand même très rapide. Il arrive à doubler Vellutini, Dominique et Pierre Moulinet. Mais Pierre Moulinet, il va pas se laisser faire. Parce qu'il se souvient quand même que ça a été un petit peu tendu au départ. Et comme Pierre, c'est un compétiteur, eh ben, il n'a pas non plus envie de se laisser faire et de laisser Victor s'envoler comme ça. Donc, vous allez voir que ça va être vraiment tendu entre les deux. Ça va être très, très... Voilà. Hein, Et là, honnêtement, ce sont des pilotes qui sont aguerris. Ce sont des pilotes qui sont très rapides. Et qui sont très talentueux. Hein. On n'est pas sur des pilotes débutants et nouveaux qui viennent d'arriver dans le championnat. Hein. Voilà, c'est pas des pilotes, c'est pas des débutants. Hein. C'est pas des enfants de cœur. Hein. Donc là, on va voir la passe d'armes entre Dominique et Victor Montesson. Ouais, Montesson plutôt. Voilà, donc voilà. Dominique, il va essayer de l'attaquer là à l'intérieur. Ça se passe plutôt pas mal, il a passé ses deux roues, donc là l'idée c'est pour Victor, bah, ça sert à rien d'aller se cartonner avec Dominique. Inutile d'aller fermer la porte, il est passé, on accepte le fait qu'il soit passé, on écarte un peu, on vient pas le percuter. Pourquoi venir le percuter? Pourquoi venir là le percuter? On écarte un tout petit peu, voilà, là ça vient taper, donc je pense que là la suspension elle a dû morfler. Voilà, donc Dominique il a dû s'énerver un peu dans son casque, enfin voilà, on n'a pas de casque mais vous voyez bien ce que je veux dire. Et du coup, derrière, qu'est-ce qui se passe? Voilà, derrière, bah, on s'excite un peu. Au lieu de laisser passer l'orage, on s'excite un peu, on accélère, on part un peu en tête à queue. C'est dommage. Là, il récupère bien sa voiture. Évidemment, Pierre, il en profite pour passer. Hein? Là, ça va encore. C'est pas bon. Il n'y a rien de... Ça se fait, si vous voulez. Mais je sais très bien que tous ces pilotes, ils ont leurs suspensions qui sont un peu... voilà. Encore une fois, dans la vraie vie, c'est fini. La course, elle est finie. Vous avez les pneus, ils sont en l'air comme ça. Vous voyez, comme dans les Formule 1, là, le pneu, il est comme ça en l'air. C'est deux antennes. Donc, c'est quand même dommage. Donc là, on se retrouve au cinquième tour. Et ça se précise, Victor se rapproche de plus en plus de Pierre Moulinet. Voilà, il va tenter une attaque ici, ça passe pas, il freine un petit peu plus tôt, il fait attention. Et donc, il s'impatiente un peu derrière, puisque ça fait un petit moment, ça fait déjà 4 tours, 3-4 tours, qu'il est derrière, collé dans le pare-choc, et du coup, il commence un petit peu à s'impatienter. Et l'impatience n'est pas une bonne conseillère en course automobile. Il faut rester patient, attendre que l'autre fasse l'erreur. Et puis, plus les tours avancent et plus on se prépare à l'attaque. Voilà, donc là, il vient passer à l'extérieur. C'est très dur de passer à l'extérieur, là. Franchement, surtout sur un pilote qui, déjà, est pratiquement sur les mêmes temps que vous. Et vous savez qu'il freine à peu près au même endroit que vous. Donc, ça va être vraiment difficile de pouvoir lui faire l'extérieur. Parce que lui, il va rester bien collé à l'intérieur et il ne va pas vous ouvrir la porte. Il ne va pas freiner plus tôt, hein. Donc là, forcément, vous êtes obligé de vous rabattre là-bas pour aller chercher la corde. Sauf que, bah, du coup, il y a une voiture ici. Donc, c'est inévitable. Vous êtes obligé de toucher. Et là, ça touche. Quand ça touche, il y a un souci. Alors, quand ça touche avec des voitures, avec de la carrosserie, ça va. Quand ça touche avec des suspensions comme ça, des bagnoles comme ça, bah, voilà, bah, la roue, boum. Voilà, c'est pas dur, hein. Parce que là, ça tape quand même pas non plus super, super doucement, on va dire, hein. Et donc, Pierre, il essaye de revenir à l'extérieur. Voilà, ça se bagarre. Ils ne lâchent rien, les deux. Ils ne lâchent rien. Donc, c'est sûr que c'est sympa à regarder comme ça, mais il faut... Le problème, c'est qu'il faut essayer d'être quand même...
propre, quoi. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Essayer d'être quand même suffisamment viril pour être capable de réussir son dépassement, mais en même temps être suffisamment clairvoyant pour pas aller percuter la voiture de l'autre et pas abîmer sa voiture. Et c'est là où la jauge, elle est difficile à évaluer. Vous voyez que là, là où Victor tente de passer, on voit bien que c'est presque un acte d'impuissance, quoi. Bon, allez, je vais tenter là, on verra bien. De toute façon, je m'en fous. On s'est déjà cogné 50 fois, c'est pas une de plus qui va faire quoi que ce soit. Vous voyez, là où il passe là, franchement, c'est un petit peu chaud. Voilà, regardez où il met sa voiture. Comment vous voulez, la pierre, il a même pas le temps de le voir sur le radar. Là, même le radar, il sert pas. Parce qu'il a même pas le temps, il peut pas imaginer qu'il va mettre son nez ici. Et boum, et ça recogne. Et il contrebraque pour rester sur la piste. Sinon, il part en tête à queue. Donc voilà, mais là, Pierre, il doit encore s'énerver en se disant, mais pourquoi il est venu me buter? Pourquoi il est venu me toucher? Pourquoi? Voilà. Donc, et lui, Victor qui est derrière, il doit aussi se dire, mais pourquoi Pierre ne me laisse pas passer? Ça fait 2 heures que je suis collé à son pare-choc. Voilà, les deux vont avoir un petit peu leur défense. Mais honnêtement, c'était hyper tendu. Hein. C'était hyper tendu. Normalement, je ne devais pas commenter ça. C'est à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, je suis tombé dessus. Et donc du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu un tour, deux tours, trois tours. Et quand j'ai vu la bagarre entre les deux pilotes, là, j'ai fait, mais oh là là, c'était mais un truc de fou, quoi. Vous voyez, là, on est au 6e tour. Voilà, 7e tour. 7e tour, et ils sont pare-choc contre pare-choc, quoi. Alors, je suis sûr que ça s'est passé aussi comme ça devant. Je ne vais pas aller voir. Mais a priori, entre les deux premiers ou les trois premiers, c'était peut-être comme ça aussi. Mais regardez, bim, et encore. Alors là, Victor, il passe et ça retouche. Vous voyez, voilà, Victor, il réussit à passer Pierre. Voilà, hop, on va se le mettre au ralenti. Victor monte au son, passe. Et donc, Pierre, il voit que la porte, elle s'ouvre un peu. Et du coup, il se dit, bah, je vais en profiter, je vais y aller. Sauf que Victor, il est déjà en train de revenir au milieu. Et du coup, ça retouche. On entend les pneus qui font... Voilà, ça retape, ça recogne. Voilà, et là, il se refait... Alors qu'ici, honnêtement, pour passer là, c'est très, très compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué de passer sur ce petit passage-là. Il faut vraiment vouloir y aller, quoi, là, sur ce passage. Et Victor, il essaye de rester là, collé. Ils sont collés. Ils roulent à peu près sur les mêmes temps, hein. Donc, à partir de là, il est évident que on est collé. Hein. Vous voyez, on est au 7e tour, quoi. Ça dure comme ça depuis le départ. Donc, nerveusement, c'est chaud. Hein. Et là, bim, et reboum. Je m'en fous. T'es là, t'es pas là. Je m'en fous. On est trop serré pour que je te laisse passer. Tu viens, je te dégage. On se le remet. Voilà. Voilà, mais bon, d'un autre côté, ils se sont rendus un peu la monnaie, la pièce, tout ce que vous voulez, les billets, les... Voilà, ça cogne, boum, balaboum, bam, boum, voilà, dans la vraie vie, une fois de plus, je me répète, au revoir, bonne journée, terminé, hein, voilà. Là, les suspensions, elles doivent être complètement massacrées, des deux pilotes, d'ailleurs, on voit qu'ils commencent un peu à galérer, quoi. C'était... Voilà, terminé. Terminé, c'est tout ce que j'avais à dire, j'ai fait un petit peu de Gérald, un petit peu... ma course, parce que voilà, moi, il s'est pas passé grand chose de très spectaculaire. Et puis là, Pierre et Victor, honnêtement, c'était hyper tendu, hyper viril, presque trop viril, parce que du coup, ça cogne, ça touchette pas. Enfin, franchement, c'était. Alors, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, il y a eu d'autres cas comme ça un peu partout sur le circuit. Franchement, à la base, on doit partir du principe qu'on doit pas se toucher. Enfin, normalement, on doit essayer de partir du principe qu'on ne doit pas se toucher. Après, honnêtement, sur le circuit Paul Ricard, pour doubler, c'est vraiment chaud. C'est vraiment très compliqué de réussir à passer sans toucher. Mais après, il ne faut pas non plus toucher à chaque tour et à chaque dépassement. Enfin, franchement, on peut toucher une fois de temps en temps. Voilà, j'ai touché, ah, excuse, machin, un truc. Bon, si jamais tu me retouches tout à l'heure, c'est pas grave, je dirai rien. Mais à un moment donné, c'est pas toucher. Allez, on touche, tout le monde touche. Allez, on se touche tous. Bon, voilà. Bon, bah, allez.
Deuxième manche qui est plus longue, 40 minutes. Et là, il y a eu aussi un peu de sport, hein. Vous allez voir que c'était un petit peu tendu.